Salut tout le monde, c'est MLDG, on se retrouve dans un nouvel épisode de Ragnablock. Et si je tourne en ce moment, c'est parce que Danny m'a dit: vas-y, tourne pour arriver chez toi, je t'ai fait un petit troll, un petit prank. Une petite prank. Alors j'ai pas encore regardé sa vidéo parce qu'à l'heure actuelle je tourne le mercredi 26. Et donc du coup aujourd'hui il y a déjà l'épisode sur le monument aquatique qui est sorti. Et d'ailleurs au passage on ira faire un tour parce que j'ai quand même pas mal avancé sur le monument aquatique. Mais c'est super long de retirer toute la flotte, vraiment super long. Et tout de suite maintenant, on va voir qu'est-ce que Danny a fait chez moi. Ok. Alors j'espère que c'est pas une trop grosse prank, parce que bon... C'est pas que j'ai pas que ça à faire, mais si j'ai pas que ça à faire... Oh! Qu'est-ce qu'il fout là, le golem? Je peux peut-être prendre une potion de force. J'en vois d'autres là-bas. Oh, oh merde. Ok, je comprends mieux maintenant pourquoi il m'a demandé neige ou fer l'autre jour. Moi j'ai voulu faire le malin, je lui ai dit faire, comme ça je pouvais récupérer des ressources. Ouais, j'aurais mieux fait de dire neige. Oh putain, tous ces golems. Oh mon dieu. Mais il y en a combien là? Wow. Il y en a énormément. Hein. D'ailleurs, en ce qui concerne l'arche de Noé, j'ai récupéré un cheval et j'ai récupéré des chiens. Enfin, j'ai récupéré des chiens. Je remercie Fred Laolès de m'avoir indiqué le chemin pour récupérer des chiens. Au niveau de ma... de mon île, j'ai pas trop avancé au niveau du gravier parce que je suis plutôt concentré sur... Ah non, il en a même foutu chez moi. Parce que je suis plutôt concentré sur le monument aquatique actuellement. Restance au feu, j'en veux pas. Normalement, je dois avoir une potion de force, potion de vitesse. Où est-ce que j'ai pu la mettre? Ah, j'en ai pas. Écoutez, c'est pas grave, je vais peut-être en m'en faire. Je dois avoir du verre. Est-ce qu'il va m'en rester assez? Oh, mais non, tourne pas ça. Oh, il m'en reste que deux. Ok, ça craint. Peut-être ici. Yeah! Nickel. Je savais bien que j'en avais encore. Tac, tac, tac. On va juste s'en faire rapidement. Alors, on va se faire un trou. Ici, c'est laquelle? Non, c'est pas la Silk Touch. C'est celle-là qu'il faut que j'utilise. Voilà. Mon seau d'eau. Merde, il est où mon seau d'eau? Ah, je ne l'ai pas. Bon, tant pis pour la popo, on verra plus tard. Mais là, je crains le pire pour taper les golems parce qu'il y en a plein là. Tu m'attaques pas? Il m'attaque pas. Bon bah écoutez, il m'attaque pas, tant mieux. Ce qui fait que je vais le tuer avec mon looting et ça me fait 5 lingots, c'est pas mal. Bon, c'est pas suffisant, mais bon. Mourez! Bande de chiens! Je vais récupérer vos lingots! Et au passage, vos fleurs. Bon, les fleurs, je m'en fiche un peu. Hein. C'est cool, ça va me faire du fer, malgré que j'en ai quand même pas mal du fer. Je vais mourir. Ok, nice! Donc, ils sont passés par ce portail là, c'est pour ça que j'en avais pas trop loin. Ils ont dû passer par le Nether et revenir du Nether vers mon île. Est-ce qu'il y en a qui sont descendus? Non, je crois pas. D'ailleurs, est-ce que j'avais laissé des ressources en bas à miner? Je ne sais pas. On va aller regarder rapidement. C'était ici. Non. D'ailleurs, j'ai des pistons là. Je vais les récupérer. Et du gravier. Et. Oui, j'ai pas mal de choses. Nope. Poudre à creeper, je vais le prendre. Je vais le ranger correctement. Ah, les yeux d'araignée, j'en cherchais l'autre jour. Parfait. Chercher des yeux d'araignée pour faire des yeux d'araignée fermentés pour pouvoir me faire des potions d'invisibilité. Pour pouvoir justement. Ne pas me faire voir par les guardianes et continuer à retirer la flotte en toute tranquillité. Un de ces quatre, il va falloir que je m'y mette à miner toutes mes ressources là parce que ça commence à faire beaucoup. Ok, alors il y a une autre chose aussi à laquelle j'aimerais qu'on aille regarder, c'est le spawn nordique. Parce que Danny, Pingui et Arion ont commencé à travailler un peu sur le spawn nordique, ce qui fait qu'ils ont... fait de la déco. J'ai pas encore vu toute la déco, j'ai vu juste... qu'ils avaient commencé à faire de la déco en tout cas. J'y suis passé hier soir. Ouais, hier soir, vite fait en soirée. Alors les fleurs, tac, tac. On va en faire du colorant rouge, on va le ranger comme ça, on n'en parle plus. Oh yeah. Et donc du coup, on va y aller. Du coup, pour les golems, c'est cool, je vais pouvoir les tuer sans avoir peur de me faire défoncer. Mais je pense que c'est les golems qui sont générés par les villages qui font mal. Alors par là-bas, c'est pour aller vers mon... vers le monument aquatique. Pour l'instant c'est un chemin perso que je me suis fait, mais au final, une fois que j'aurai dézingué tout le monument aquatique, je ferai un chemin spécifique dans le hub du Nether
pour pouvoir donner accès aux gens à ce spawn, enfin à ce spawn, à ce monument aquatique. Ok. Allons voir de plus près qu'est-ce qui se passe au spawn nordique. Déjà tout ça, il va falloir que je change de place. Ça fait un moment que je le dis et il va falloir vraiment que je me bouge à le faire. Je pense que je le ferai après le monument aquatique. Ou alors, je sais pas encore. Je sais pas trop encore. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire dans ma base, parce que j'ai encore aucun moyen de... Enfin, j'ai rien fait pour récupérer de la bouffe ni rien. Ah, je vois. Oh, joli. Ah, une belle statue. Bon, cette statue-là, je l'ai vue hier. Mais ça, je les avais pas vues, ça. Donc là, on a des flammes. Ici, on a un comptoir avec des cochons. Oh, mais vous êtes dégueulasses, les cochons. Vous êtes dégueulasses. Il y a accès ici. Ah, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien foutu. Vraiment sympa. Ce genre de déco, j'en ai jamais fait perso et. Ah ouais, cool, il y a un under chest ici. Ça c'est sympa pour pouvoir avoir accès à ses affaires. Une remarque que j'avais fait à Danny Pingui, c'est qu'il aime bien balancer des rayons dans l'anus de ce cher monsieur. Donc le rayon est bleu. Pour l'instant, il restera bleu. Ah, c'est vrai. Oh, il y a un lit ici. Vraiment sympa. Ils ont fait les chemins aussi. Ils ont fait les chemins. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ça y était pas, ça. Ah, mais c'était ici qu'il y avait. Là où il y avait tous les coffres avec toutes les armures et tout ça. Attends, je vais voir. Je vais voir s'il y a des choses. Ah, oh, bah non, ça je peux pas l'ouvrir. Il y a de la laine. Oh, les chemins ramènent jusqu'ici. C'est quoi ça? Ah, c'est juste une cage. Ok. Oui, pourquoi pas. On va mettre à l'intérieur. On mettra des prisonniers. Ah, ça fait charrue. Ah, sympa, vraiment sympa. Donc ça, c'est ma maison. Faut que je réfléchisse à. Oh, sympa. Faut que je réfléchisse à la refaire, ça. Disons, c'est sympa ça. Avec la lave et tout qui coule. Ouais, franchement classe, hein. Là, les mecs, respect. Vous avez fait du beau boulot. Moi-même, je serais incapable de d'imaginer des choses comme ça. Putain, mais c'est vraiment beau en plus ça. On va voir l'intérieur. Attention. Ah, sympa. Il manque des flammes peut-être ici. Quoique. Ouais, mais ici, c'est un endroit spawnable ou quoi? Est-ce qu'ils peuvent spawner les mobs là-dedans? Non, je pense pas. Ok, ici y a rien. Ici y a rien. Peut-être qu'ils ont dû déplacer le stuff là. Ouais, ils ont déplacé le stuff ici. Et du coup, il y a toutes ces enclumes là. Alors, je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a une ferme à faire. Je sais que Wix en a une, mais j'ai vu que ça avait été fait en bloc de fer. Je pense que Danny a fait quelque chose avec le fer, c'est pas possible autrement parce que il utilise tout ça comme bloc de fer rien que pour la construction. Il a fait plein d'enclumes et chez moi il a fait spawn je ne sais combien de golems de fer. Et pour faire spawner un golem de fer, il faut 4 blocs de fer. Et 4 blocs de fer, ça fait 9 et 9, 18, 18 et 18. Ça fait 36 lingots de fer. 36 lingots de fer par golem de fer. Ce qui fait beaucoup de fer. Voilà. Je sais que derrière la statue là-haut. On va y aller, on va prendre le chemin pour aller à la statue. Oh, quoi qu'on va prendre le tunnel de Speedromi. Ouais, Speed, c'est marqué là-bas. J'ai vu que dans sa vidéo, il disait que c'était pas centré parce qu'il y a 5 lettres et puis que le couloir est en 4. Mais de loin, ça se voit pas, hein, donc c'est plutôt sympa. Et le chemin. Oh, une table de craft. Et le chemin pour aller chez lui, c'est par ici. Et il a déjà fait une maison et elle est vraiment sympa, sa maison, hein. Vraiment classe. On va visiter l'intérieur. On va voir s'il y a des choses à piquer. Oh. Non, je pique rien. Moi, je regarde juste. Oh, sympa. Cheminée centrale. Classieux. On va monter à l'étage. Ah, pareil, l'étage est sympa aussi, hein. Ouais. Il y a du beau boulot. Il y a du beau boulot. C'est un bon builder. Il est vraiment sympa. Il y a des choses dans les coffres. Oups. Ah, de la terre. Ouais, il n'y a pas grand-chose dans les coffres. Dommage, j'aurais voulu te piquer un truc, mais tant pis. Bon, ici c'est cool parce qu'on peut pas tomber parce qu'il y a des barrières. C'est vraiment cool. Pour redescendre, c'est par là-bas. Ok. Et ouais, du coup, c'est vraiment sympa sa baraque, vraiment. Donc, Speed, tu regardes. Classe. Classe. En plus, ce qui est cool, c'est que d'ici, il a un accès. Alors, future maison de Speed, je pense que tu peux retirer le panneau. Parce que la future maison est déjà là. En plus de là, on a une très belle vue sur tout le spawn nordique. Oh, c'est vraiment classe. Je suis vraiment content de ce que ça donne aujourd'hui, hein. Il y a juste cette bâtisse-là, il va falloir l'éclairer un petit peu.
Raté. Oh, un cœur de dommage, ça va. Un cœur et demi de dommage. Allez, c'est bon, c'est la fête. Bon, on va se rendre au temple aquatique maintenant. Enfin, au monument aquatique. Ah tiens, d'ailleurs, ça, c'est la bannière de Fred. Et ça doit être la bannière de Danny Pingui. Ça fait très pingouin. C'est vrai que... Vraiment bien foutu. Faudrait que je la fasse, ma bannière. Moi, je sais pas encore quoi faire. Le problème, c'est que j'ai envie de faire de bannière avec tête de creeper. Ouais, c'est un peu chiant. Bon. Retour vers le monument aquatique, voir où j'en suis, voir où j'ai avancé, et après on se fera une petite ellipse. Je continuerai le monument aquatique tranquillement dans mon coin, mais je pense que la fin de l'épisode ce sera totalement autre chose que le monument aquatique parce qu'on va pas y rester tout le temps. Mais en tout cas, bien sympa ce qu'ils ont fait sur le spawn nordique, les mecs, là c'est vraiment cool. Et puis la prank là, va falloir que je les retire, tous ces golems. Ok, on est bientôt arrivé au portail du Nether. Toujours un peu long. Bon, c'est quand même moins long que se déplacer dans l'overworld, mais bon, quand même. Quand même. Et je commence à être enrhumé là, j'ai le nez plein, c'est chiant pour parler. Alors je sais pas du tout non plus quand est-ce que le prochain épisode sortira. Arrête de laguer s'il te plaît. Je sais pas non plus quand est-ce que le prochain épisode sortira, tout simplement parce que j'ai décidé de changer mon programme sur la semaine par rapport à Minecraft et par rapport à Super Smash Bros. Wii U qui est sorti. Donc on verra. Alors mes éponges, ça cuit, ça cuit. On va sortir, donc je me suis fait un accès par là-bas parce que j'ai quand même pas mal retiré de flotte. J'ai pas tout retiré, hein. Mais j'ai retiré pas mal, hein. Comme vous pouvez le voir. J'ai retiré beaucoup de flotte. Oh, il y a des poulpes là-haut. J'ai retiré tout ça comme flotte pour l'instant. Et j'ai fait encore les cages de sable. Et il va falloir que j'utilise mes éponges donc pour retirer tout ça. Donc du coup, eh ben, je vais continuer mon boulot. Et puis on se retrouve pour la suite de l'épisode où on fera je ne sais quoi. D'ailleurs, juste en dessous, il y a une crevasse. Une belle, belle crevasse. Et j'ai perdu mon bloc. Bon bah tant pis. Tiens, non, on va utiliser un bloc basique quand même. J'ai envie de garder la structure. Ah oui, joli. Meurs! J'ai envie de garder la structure du monument aquatique une fois que j'aurai retiré toute la flotte, histoire de voir ce que ça donne. Donc, ah tiens, j'ai récupéré un arc enchanté. Pourquoi pas? Frappe 1, ouais, bref. Bref, 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 sur ce les amis, à tout de suite pour la fin de l'épisode. On est de retour à la base et j'ai décidé, avec vous, devant vos yeux ébahis, de créer... Ce petit livre là. D'ailleurs, ce petit livre là, je l'avais créé à l'ouverture du serveur. Vous voyez, début de partie, le 2-9 à, le 2-9-14 à 23h, c'est quand on a commencé à jouer. Hein, ouverture du serveur avec Apo, Arion, blablabla. Tout plein de monde. Et c'était vraiment très sympa. J'ai créé pas mal de jours ici. Le problème, c'est que je me suis arrêté à là, à fin septembre. Parce que c'était vraiment trop chiant de faire ce bouquin là. Mais j'ai décidé de le garder. Et ici. Voilà, on va prendre un livre. Il nous faut une plume qui va se trouver dans le coffre avec les œufs. Parce que oui, j'ai rangé un peu mes coffres. Il était temps de les ranger, mes coffres. Une plume et il me faut un colorant noir. Qu'on va trouver juste ici. Voilà, super. Alors, la plume, le colorant et le bouquin, normalement, ça fait un livre et plume écrit. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que par là-bas, j'ai créé une nouvelle salle. On va la voir ensemble. Donc j'ai rajouté un peu de la neige un peu partout. Ici, il y a une porte qui va se poser. C'est pour aller au niveau de la redstone. Donc ce sera fermé, hein, normal. Et par ici, on a des escaliers qui descendent. Et encore des escaliers qui descendent jusqu'à cette salle. Alors, j'ai un peu galéré pour cette salle-là parce que juste derrière... Voilà, je sais pas si vous l'entendez bien. Attendez. On va voir si on peut l'entendre bien. Il y a de l'eau. On entend de l'eau derrière. Cette eau-là, en fin de compte, c'est l'élévateur à zombies. Qui est juste derrière. Ce qui fait qu'il a fallu que je pète ce mur-là. Juste derrière ici ou derrière là, j'ai remis le panneau. Ici le panneau, là-haut le panneau, etc. Pour l'élévateur à zombies. Et j'ai mis des coffres ici avec des bibliothèques juste derrière. Malgré qu'on ne les voit pas beaucoup. Avec des lanternes. Vu que les lanternes, maintenant, je peux en avoir des tonnes et des tonnes. J'ai décidé de bien m'en servir dans ma grotte. Ah oui, ici aussi, le petit détail, hein, j'ai rajouté ces escaliers comme ceci. Par là-bas, il y aura une autre descente vers une autre salle, par ici aussi. Mais au niveau des salles, oh, je lag, c'est vraiment pas propre.
Au niveau des salles, bah, il y a toujours la salle des fours, hein. Ça, je vous l'ai déjà montré, je ne l'ai pas beaucoup avancé. À savoir que le chemin pour aller vers la ferme à Boule de Neige est super loin, donc du coup, on a beaucoup d'espace ici à construire. Et je ferai ici, juste derrière, la machine qui va cuire tout automatiquement. C'est-à-dire que tout ici, il y aura des fours. Ici, il y aura les entrées et les sorties, c'est-à-dire qu'il y aura des hoppers qui va les ramener dans des coffres ici ou là. Je ne sais pas trop encore, mais j'ai décidé que ce soit comme ça, ce qui fait que la salle est vraiment ici et puis la salle continue par là-bas, enfin le couloir continue par là-bas. Alors ce que je vais faire rapidement, je vais ouvrir mon navigateur internet tout en bâillant parce que j'aime bien bâiller. On va essayer de faire vite. Voilà, mon navigateur s'allume. On va retourner sur ma vidéo Minecraft de la dernière fois, c'est-à-dire pas le monument aquatique mais l'autre, celle où il y a non, même pas Speedromi, c'est encore l'autre d'avant. Dis donc, ça date d'il y a un moment. C'était les fours musicaux. J'avais même fait une faute d'orthographe, j'avais marqué four musical. J'avais demandé à ce qu'on me pose des questions. Alors voilà, je l'ai sur moi. Je mange du poisson parce que j'ai que du poisson pour l'instant à manger. Donc dans le bouquin, on va noter une question. Donc on a une question de Fred Laolès qui marque: quel métier voulais-tu faire étant petit? Alors je vais le marquer. Quel métier voulais tu faire étant petit? Voilà. Et quel métier aurais-tu voulu faire? Bon, je vais le remarquer aussi. Et quel métier aurais-tu vraiment, c'est vraiment, voulu faire? Voilà. Oups, j'ai oublié le F. Voilà. Et par contre, pour marquer ici le Fred Laolès en souligné, il faut aller sur le Minecraft Wiki, me semble-t-il. En tout cas, je vais y aller en même temps. Terminé pour l'instant. Le temps que ça charge, voilà, le Minecraft Wiki s'est ouvert. Dans la barre de recherche, je vais marquer livre écrit. Donc il va me trouver livre édité. Bon, c'est livre édité qu'il faut taper en fin de compte, hein. Et dans livre édité, normalement, on va... Ah non, c'est dans livre vierge, pardon, c'est livre vierge. Il y a un petit symbole à copier. Donc je le fais CTRL-C parce que le petit symbole, malheureusement, on ne peut pas le faire avec le clavier. Malgré qu'on l'a sur le clavier, hein. Quoique, je suis en train de me demander si on l'a sur le clavier. Je le regarde, mon clavier, et non, je crois pas qu'on l'ait sur le clavier. C'est un symbole assez particulier. Donc maintenant que je les récupère, je vais faire CTRL-V. Vous voyez qu'il y a un 0707 en blanc qui bouge. De là, j'ai la possibilité d'entremettre le texte en gras, barré, souligné, italique, ou créer du texte affichant des caractères au hasard. Donc ça, c'est K, c'est pour mettre n'importe quoi. Moi, je veux que les lettres soient souligné. Donc je vais mettre N et maintenant je peux marquer Fred Laolès. Voilà. Donc signé, titre du livre, question EP, c'est le 21 il me semble. Je sais déjà plus, dis donc. Je vais réouvrir mon navigateur. Non, j'ai pas besoin d'ouvrir mon navigateur. Il faut juste que j'ouvre cette page-là. Voilà, c'est l'épisode 21. Voilà. Kep 21, donc c'est question 21, signé et fermé. Voilà, donc du coup maintenant j'ai mon premier livre. Question épisode 21, avec quel métier voulais-tu faire étant petit et quel métier aurais-tu vraiment voulu faire? Donc ça, cette écriture sur le bouquin, on le fera pas ensemble, hein. C'est juste pour vous montrer et pour vous dire comment je vais faire ça. C'est-à-dire que bah, je voulais vous montrer aussi qu'avec le symbole qu'on peut récupérer sur le Minecraft Wiki, on peut faire du soulignage, du gras, du barré, etc., etc. Mais bref, on va répondre donc à cette question, la question de Fred Laolès: quel métier voulais-tu faire étant petit? Alors, étant petit, je voulais travailler dans le jeu vidéo. Je voulais faire game designer, ou alors game developer, ou alors même scénariste de jeu, parce que j'aime bien écrire. On va profiter pour continuer à grandir la salle en même temps. Parce que j'adore écrire, malgré que ça fait un petit moment que j'écris plus. Ça fait même très très longtemps que j'écris plus. C'est comme le dessin, hein. J'adorais dessiner, mais j'ai arrêté de dessiner depuis longtemps. Et du coup, bah, quand j'étais petit, c'était vraiment le métier que je voulais faire. Parce que oh, là, on s'approche du spawner à zombies, donc je vais pas pouvoir vraiment étendre la salle. On arrive presque au milieu. Donc du coup, je pense que ici, je vais mettre de la pierre taillée. Ouais, je vais mettre de la pierre taillée et puis on verra plus tard comment je vais me débrouiller pour cette salle-là, parce que c'est un peu embêtant. On pourra pas aller plus loin, ce sera juste une salle comme ça en long. Ouais, donc voilà. Travailler dans les jeux vidéo, ça c'était une certitude. Et quel métier aurais-tu vraiment voulu faire? Donc aujourd'hui, maintenant, le métier que j'aurais vraiment voulu faire, et chose à laquelle je vais peut-être essayer
bah, de faire ce métier, parce que j'ai peut-être la possibilité avec mon travail de le faire, c'est être toujours game designer ou game developer ou une connerie comme ça, mais il faut avoir des formations. Et à mon boulot, je peux avoir des formations à un plafond de 14 000 euros. C'est-à-dire que je peux me demander une formation à plus de 14 000 euros. Non, à moins de 14 000 euros, pardon. Et je peux la faire, donc je serai. C'est l'entreprise qui paye les 14 000 euros de formation, plus j'ai une année de salaire, si vous voulez, et pendant un an, je fais une formation. Si je peux faire ça, bah, je pourrais changer de métier, et du coup, ce serait cool. Voilà. Donc, du coup, ta question, Fred, je vais la ranger dans ce coffre-là. Donc, merci à toi pour cette question. Maintenant, je vous invite à me poser des questions dans les commentaires. Je prendrai qu'une seule question et par épisode, c'est-à-dire que si par exemple Monsieur H me pose la question est-ce que tu aimes les carottes et que Monsieur Q me pose la question est-ce que tu aimes le cul, voilà, c'était facile, hein. Eh ben, je vais prendre la question de Monsieur Q et Monsieur H, ben, la question je la prendrai pas, mais je la prendrai pas pour les prochains épisodes. S'il veut que j'y réponde, il faut qu'il le remette dans les commentaires donc du prochain épisode. Je vais juste faire ça comme ça. Et il faut aussi savoir une chose, c'est que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et même ceux qui ont suivi le Wix vidéo, j'ai décidé de réduire les vidéos de Minecraft. C'est-à-dire que pour l'instant, on est toujours à 2 vidéos par semaine, mais à terme, il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine. C'est ce que j'ai envie pour amener d'autres choses à la place, pour qu'il y ait un petit peu plus de diversité sur ma chaîne. Je sais qu'il y a déjà pas mal de diversité avec Monster, avec les WT 100%, les hacks et Minecraft du coup. C'est sympa tous ces bugs-là, hein. Mais j'ai vraiment envie d'apporter d'autres choses, c'est-à-dire que dernièrement il y a eu Super Smash Bros qui est sorti et j'ai envie de faire des vidéos dessus et surtout de jouer en live avec les personnes qui aimeraient jouer avec moi sur Smash Bros. Donc j'ai décidé de faire du live Twitch et que après je fasse des rediffusions le mercredi à la place de Minecraft ou le dimanche à la place de Minecraft. Je sais pas encore quand exactement ça se mettra en place, mais quoi qu'il en soit, ça se mettra. Enfin, j'en parlerai un petit peu plus dans le Wix vidéo de demain, parce que demain c'est le Wix vidéo du 1er décembre, le Wix vidéo de la sortie de mon site internet où il y a un concours. Je vous invite d'ailleurs fortement à suivre ce concours parce que vous allez pouvoir gagner des choses sympas. Et puis en plus, je choisirai deux gagnants et j'en choisirai pas qu'un seul. Il y aura deux gagnants pour ce concours-là. Donc forcément, le premier choisira ce qu'il voudra et le deuxième, bah, il sera obligé de prendre ce qui reste, hein, mais c'est comme ça. Ouh, du fer. J'irai le prendre après le fer. Mais voilà, donc écoutez les amis, je sais que c'est un épisode un petit peu plus court que les autres, je m'en excuse encore une fois, j'avais dit qu'à l'épisode précédent je ferais un effort pour améliorer la qualité des vidéos Minecraft, c'est ce que j'essaye de faire tant bien que mal. Malheureusement, au niveau du temps que j'ai moi personnellement, bah, j'ai pas forcément tout le temps du monde, j'ai même décidé de peut-être couper court à comment. Ça y est, Arion s'est connecté, il m'a déconcentré. À Hyrule Warriors, parce que Hyrule Warriors je balance en une vidéo par jour, et j'ai sous-entendu que j'allais peut-être couper ça, parce que j'ai beaucoup de mal à suivre la cadence. Actuellement, là je tourne le vendredi soir, j'ai des choses de prévues samedi, j'ai des choses de prévues le dimanche, donc j'ai pas beaucoup le temps de tourner, c'est vraiment dommage. Donc je vais essayer de faire des efforts, hein, mais si j'arrive à venir une vidéo par semaine de Minecraft, je pense que le contenu sera plus intéressant. Du moins, je l'espère, et je ferai tout pour. Et vite fait, avant de se quitter, on va voir où j'en suis avec le monion aquatique, parce que là, on va couper et je vais le continuer, parce que, ouais, le monument aquatique, ça me prend beaucoup de temps aussi, malheureusement, hein, parce que, faut pas déconner, le monument aquatique, c'est pas de la tarte. Et j'ai décidé de le faire seul. Je pourrais demander de l'aide, mais bon. Voilà, pour l'instant, j'en suis là dans le menu aquatique. J'ai quand même retiré une grosse, grosse partie de la flotte. Donc, je suis assez content de moi parce que, autant en solo, je l'avais fait. J'avais passé beaucoup de temps en solo. Je m'en souviens, c'était même la période où j'avais balancé une nouvelle série, il me semble. Et voilà, c'est quand même sympa de voir tout ça de là. Hein. Et là-haut, j'ai déjà commencé à faire une autre ligne. Commencer à retirer encore la flotte par ici. Et d'ailleurs, dans ce coin-là, dans ces deux bacs-là, il y a énormément de guardianes par rapport à ici, vu qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc sur ce, les amis, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu, malgré la pauvreté du contenu. J'en suis encore une fois navré. Si ça vous chante, mettez des pouces rouges. Hein. À l'heure actuelle, je dirais pas que j'en ai plus rien à faire, parce que ça m'embête quand même, parce que c'est votre avis, et votre avis m'intéresse. Et enfin bref. Faites ce que vous voulez, moi j'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui, je peux pas rester plus longtemps, j'ai
vraiment beaucoup d'autres choses à faire derrière. J'essaierai de faire quelque chose de plus intéressant pour mercredi prochain. Donc sur ce les amis, portez-vous bien et à bientôt. Bye. Et j'ai oublié de prendre du charbon. Ah, il m'en reste encore un peu. C'est bien ça.